Pour ce premier dimanche de la foire Saint-Romain, c'est loin d'être la foule des grands jours. Une des raisons, la météo maussade. Mais surtout, présent dans tous les esprits, l'incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique, deux entreprises situées en face de la fête foraine. On y va chaque année, donc pourquoi ne pas y aller cette année? Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, il n'y a pas d'odeur. Voilà. Il faut que les gens continuent de vivre, je pense. Tout ce qui s'est passé à côté ne vous fait pas attention, puis je pense qu'on ne sent rien à la base, donc pas le souci en vrai. Moi, il n'y a rien qui m'arrête, les manèges, tout ça, j'adore la sensation, j'aime bien. Certaines familles et bandes d'amis ont pris tout de même quelques dispositions. On fait attention, de toute façon, on ne reste pas longtemps quand même. Par prévention, on ne reste pas longtemps. On leur a dit une heure et demie max. Donc ça devrait aller. Côté forain, tous sont unanimes. Aussi peu de monde pour une ouverture, c'est inédit à Rouen. Sur ce stand de tir, le patron attend le client. On espère qu'on va avoir des meilleurs jours parce que là, franchement, c'est dramatique. Pour beaucoup, la foire de Rouen est importante car c'est la dernière de la saison avant la pause hivernale. Il reste 4 semaines pour inverser la tendance. J'espère que les gens, au fur et à mesure, vont se rendre compte que bon, là, il n'y a pas d'odeur sur la foire, ça ne prend pas la gorge autour. Donc ils vont peut-être se rendre compte au fur et à mesure. Mais bon, à mon avis, ça va être sur la fin de la foire et les vacances, c'est inquiétant quand même. Ouais. Chez ce vendeur emblématique de Croustillon, le mot d'ordre, garder le moral. L'odeur va s'en aller et les Rouennais vont revenir. Vous avez confiance? On a confiance aux Rouennais. Reste à savoir si les Rouennais, eux, se rendront en toute confiance à cette traditionnelle fête foraine.